c'est la troisième fois que le deuxième week-end d'octobre, on le consacre donc à permettre aux Neuilléens d'aller à la rencontre des artistes qui vivent sur leur territoire. Moi, je crois que c'est fondamental. Je vois quand même beaucoup de gens qui se baladent dans la rue avec le plan. Il y a plus d'artistes que l'an dernier. C'est la première fois. Mon atelier est là depuis 26 ans à cette adresse. Et j'en suis vraiment très heureuse. Et je trouve que c'est une initiative des plus agréables. Et les gens qui viennent ici sont heureux de gravir les marches des ateliers d'artistes qu'ils ignoraient. Ils partagent à la fois une œuvre et puis ils partagent une atmosphère, un lieu dans lequel qui les inspire. Donc je crois que c'est la découverte des lieux est au moins aussi importante que la découverte des œuvres. J'ai trouvé que c'était une visite agréable, d'abord pour voir les œuvres parce que on voit des œuvres de différents matériaux. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis c'est l'occasion de voir le cabinet qui est toujours fermé quand on passe devant, donc c'est d'une pierre deux coups. Et donc je pense qu'on voit par ces visites des endroits un petit peu insolites. Et on rencontre des artistes qui ont l'air charmants. Donc voilà, et puis comme il fait beau, c'est l'occasion de passer une belle journée. Le plaisir aussi d'avoir le contact, parce qu'on voit souvent les œuvres et on ne voit pas les artistes. Donc ça peut être intéressant, c'est enrichissant pour tout le monde, dans les deux sens. Les peintres, les artistes sont très solitaires. On est dans notre atelier, on voit peu de monde. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer le public. Le regard du spectateur apporte une critique qui est favorable à la création. Je ne peins pas pour moi, je ne peins pas pour les quelques experts de l'art contemporain, je peins pour les gens. Je peins pour les gens et je pense que c'est l'objectif d'un peintre, pas de plaire à tout le monde, mais de remuer les tripes de chacun. Ça éveille peut-être des gens qui ne sont pas forcément intéressés ni curieux pour l'art. Et ça leur permet de venir parfois avec leurs enfants et ça éveille les enfants de voir des ateliers. Pour eux, c'est tout un monde qu'ils découvrent et ça leur fait très plaisir. Et deuxième chose, ça nous fait connaître, nous, du coup, la ville de Neuilly, le quartier, commence à nous connaître, ils savent où on est, ce qu'on fait, pourquoi. Ça, c'est très intéressant pour nous. Et troisièmement, quand il y a des ventes en plus, quand ça arrive, ben on arrive à concrétiser, à aboutir à quelque chose de concret. Donc ça, c'est très agréable aussi. Moi, je suis collectionneuse et j'ai toujours acheté après avoir rencontré les artistes, très rarement avant. C'est le bonheur, c'est de découvrir des artistes, des nouveaux talents. En plus, à Neuilly, je pense qu'il y en a. Et voilà, c'est génial. On commence notre visite simplement. Mais là, cet atelier, c'est formidable pour les enfants et autres. Ce peintre exprime toute la chaleur, des couleurs, et pour les enfants, pour tout, c'est formidable. C'était avec les enfants. Et c'est eux qui ont été tout de suite attirés, captés et très bien accueillis par le sculpteur lui-même pour qu'il s'amuse à prendre un peu de modelage. Là. Donc on trouve ça une belle initiative. Je suis venue ce matin avec mes enfants pour qu'ils essayent la poterie parce qu'en fait je pense que c'est une très bonne idée. Ils aiment bien ça et puis voilà, on en est venu ce matin et puis finalement moi aussi je m'y suis mise et il fait beau donc c'est sympathique, on passe un bon moment. Comme nouveauté, eh bien, il y a ici en ce moment d'ailleurs organisé par l'atelier Badadou à notre demande à la MJC des ateliers de créativité pour les enfants, pour les 3-12 ans. Donc ça je crois que c'est important aussi que les enfants profitent de ces moments pour s'exprimer. Et puis dans quelques instants à Arturo Lopez, il y a une conférence sur les coulisses de l'art par Victor Dubreuil, qui est directrice de l'école des Beaux-Arts de Rueil, qui est une extraordinaire école d'art. Voilà, donc on essaye que ce soit en plus un moment où tout le monde puisse découvrir l'art, les artistes, mais en plus certaines facettes de l'art contemporain.